comme toujours. Salut À tout le monde, bientôt. on se retrouve pour la suite sur Anno. Ah mais tu mets en pause pour moi aussi, c'est pas cool. Oui, mais ça m'a énormément Salam déplacé ce que t'as alaikum. fait. Ouais mais t'as joué alors que c'était pas tout à fait là en même temps. Il y a un petit peu de temps qui s'est écoulé. Mais ça devrait pas être bien gênant. J'étais pas en manque de quelque chose. Ah si, j'étais en manque de ci. Moi, j'ai créé deux cidriers jusqu'à ça. Je vous adresse mes sincères salutations. Quelle est notre destination? Ah bonjour, Sir Gavin. Je vois un vaisseau amiral de la Et dans le fille, mais je ne peux pas. sud. Ça c'est à Erreur, ça c'est à moi. On a pas le Là, j'ai des lest-chef qu'il trucs. Je faut. voulais créer une ville à un endroit, mais j'ai. Enfin, j'en vais plus tard. Pour l'instant, c'est pas du tout utile. C'est vrai, j'ai quatre trucs de lest-chef. Salam alaikum. C'est un honneur, comme toujours. Une transaction fructueuse. Que du bonheur. Au moins, j'ai gagné des sous entre-temps. Donnez 6 pierres. J'ai pas d'extracteur de pierres en fait. Je sais pas ce qu'ils ont, mais. Alors, on va en faire plus. Allez, un gisement de charbon, gisement de pierre. Il est bien loin donc. Ou si qu'à même côté, hein. En fait, tu t'es installé partout des petits trucs et pour pas que les gens s'installent. Ouais, pour réserver mes îles. Jusqu'au Fabuleux! Une honorable transaction. Une honorable transaction. Comment il reconnaît les transactions honorables et les pas honorables? Je serais ravi de faire. Il y a quasiment rien. J'accepte cette transaction. L'autre fait la route des épices. Ouais. Le navire que vous aviez pour mission d'intercepter a bien été détruit. Il est toujours judicieux d'investir dans des navires aussi puissants que celui-ci. J'avais même pas vu la quête. Alors, bah voilà, t'as eu tout mon avantage, Horreur. J'étais pas là pendant quelques minutes. Hein? Ouais. Tu t'en es pas rendu Mais elle compte? est qui en gros la quête? Pour me Non dire mais que t'en tu as ne l'avais profité, pas c'est vu non tout. plus. Hein. Alors mets-le comme ça, ouais. Ah j'étais en train de faire ça. Ah je sais ce que je peux faire. Moi j'ai des sous de cette partie-là. Mais 5 000 habitants, j'y suis pas, en vrai. Où le monde y trouve son compte. Il a Yalla, clairement de l'argent, yalla. ton gars. La caravane est en route. C'est vraiment Un ce joueur s'est soir. établi sur de nouvelles terres. Ok. C'est pas mon île, très bien. J'accepte. Ah, j'ai des extracteurs de pierre. Ah bon? Comment on achète un bateau au gars là de base? Je crains que vous n'ayez sous-estimé le problème. Je peux pas lui acheter, c'est bizarre. Enfin, je me propose pas en fait. Doit à l'honneur qu'il Alors faut. Dites-moi, comment Et une allez-vous? option. Acheter de petits navires de guerre. Salam alaikum. Quoi de neuf? C'est où ça? Et voici vos Je marchandises. vois pas où il a acheté des petits navires de guerre. T'es allé sur l'écran des personnages?
Vous êtes attends, venu non, mettre un fraîche. Terme à ma douce et oisiveté. Ah non, 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 à 3000. Ah, ça, bah si t'en as déjà un, tu peux pas lui racheter un bateau comme ça. Ah, tu l'as de base. Ouais. Ok. Donc, ce serait sympa qu'il se dépêche de manger. On va aller dépêcher non plus. Détendre ta population. Il me dit, ma femme et moi, ils sont 8 dans la maison. Ah bah ils ont 6 enfants. Ah, j'ai bug visuel. Ah bon, déjà? On a à peine commencé. Bon, c'est pas grave. C'est parti. Partie sauvegardée. En attendant du coéquipier. T'as pas quitté, hein, on est d'accord? Ouais. Retour au menu principal. Ah là là. Si jamais il y a des abos qui ont 1000 euros ou un peu moins, peut-être quelques centaines, pour payer à erreur un nouvel ordinateur. Je sais pas comment on peut faire des dons. Contactez-moi. Je me débrouillerai. Si vous avez des généreux donateurs, financez la carte graphique d'horreur et le processeur surtout. Et la RAM, ouais, c'est la RAM. Bon, c'est après, c'est un vieux jeu, alors il est pas très bien adapté. C'est pour ça que ça pose des problèmes. On t'attend. Vous allez voir comment je vais dépasser horreur sur la condition de victoire. Ça va être écrasant, je pense. T'es à combien de paysans là? Je te dirai quand je vais regarder. Les paysans, c'est quasiment toute ma population par contre. Ouais, du coup, ça va te coûter super cher à améliorer. Moi, j'ai déjà amélioré pas mal et ça m'a coûté super cher. Ça coûte extrêmement cher à améliorer. J'ai l'argent pour les outils, mais il faut que j'y aille. Et ça, là, c'est beaucoup trop long. Et j'ai une technique pour ne pas avoir besoin d'y aller, mais c'est un Mais t'as beaucoup d'argent ou t'as juste ce qu'il faut à chaque fois? J'ai 4000, 5000, 6000, je sais pas. Oh, d'accord. Monsieur est riche. Parce que moi, avec mes petits 1000, je fais waouh, je suis riche. Je vais pouvoir me construire ma propre Noria. Ah. Attends, t'as 1000? Pas possible. Bah, si. Pas possible. Le cas est des choses. J'ai pas dit 100 000, hein, j'ai dit 1000. Pas beaucoup. Et tu gagnes combien par tour? Je sais plus. 800, 900? Oh, mais non, pas autant. T'es fou. Tu gagnes 800, 900 par tour, toi? Bah ouais. Et j'ai beaucoup de gens, moi. Donc, oui, je gagne 800, 900 par tour. Crée plus de paysans, tu sais, hein, tu peux. Enfin, monte-les en noble plutôt. Mais t'as pas assez d'outils, mais des moutons, je sais pas. En noble? Mais t'es fou! Bah quoi, non? Mais t'as pas de noble, toi? Bah si! Non, 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 t'as pas de noble. Ah si, j'ai des patriciens qui se sont améliorés en noble. Non, j'ai été AFK 3 minutes, hein. Pas une heure. Non mais tu vois là, quand il a dit des gens ont des patriciens, c'était moi. Ah bon? T'as oui, des patriciens toi? Et pendant les 3 Non mais minutes, c'est pas possible, t'as pas déjà fait du pain, de la bière et tout ça? Mais si! Ah oui, non non, tu peux avoir des patriciens. Ouais, moi il me manque que la taverne pour avoir les patriciens. Non je rigole, mais ouais j'aurais pu. Mais t'as des patriciens? Non t'en as pas. Oh oh oh. Non mais j'aurais pu. Bon moi non plus, ça te rassure. Je pourrais, mais ça m'est pas rentable, ça coûte trop cher un outil. Bah ouais, mais ça te permet de débloquer des nouveaux bâtiments. Ne serait-ce que pour faire un patricien. Je sais pas si tu sais combien ça coûte pour moi, mais... J'ai pas 3 outils dans ma base principale.
T'as pas trois outils? D'accord. J'ai un bateau qui fait un aller-retour pour les épices. Et j'ai un bateau qui s'occupe des outils. Doucement. Et puis, dès qu'il y en a, il n'y en a plus. Ah bah tu vas bientôt débloquer les trucs à outils. Oui, bien sûr, pas trop. Un joueur a gagné de l'influence dans une colonie. Hop, allons là avec notre bateau. Oh, je vois qu'il y a un port là. J'ai pas encore découvert Elena Flores, mais j'ai vu que quelqu'un avait gagné de l'influence dans sa ville. C'est-à-dire qu'elle a des patriciens. Et qu'elle peut gagner de l'influence dans les villes des gens. C'est là qu'on découvre qu'on est en retard. On est clairement en retard. Vas-y, déplacer. Ah, on est plus dans le rayon de l'église là. Ouais, mais elle est déjà au patricien, je suis en train de découvrir le jeu. Ah, mais non, tu découvres plus, voyons. Bah, si. Venez chercher ça. Quoi, aucune marchandise? Ah, bah, peut-être qu'il y a déjà une charrette en place. Vous avez fait une bonne affaire cette fois. Terre en vue. Ah, t'as encore à découverte, toi? Moi, j'ai quelques paysans, j'ai des bâtards. Nous ne sommes pas encore prêts à assister à un miracle divin. Il y a les corsaires qui m'attaquent. Il leur manque des ressources, vous mais... Vous avez découvert l'île d'un autre joueur. C'est pas celle-là qu'il est censé leur manquer. Utilisez les plans de construction que je vous ai remis pour vous établir. Bienvenue. Je suis la marquise Elena Flores. Bonjour Elena Flores. Oh là là. Je vais tellement... Ils te lâchent tes corsaires quand tu vas plus vite. Ça me plaît. Oui, il te lâche au bout d'un moment. Ouais, c'est long, non? Ça va, généralement. Ouais, ça va, genre une heure. Non, moins. Par là, offrez-nous... J'ai tout juste de quoi améliorer des pays. Je sais pas quel nom de bateau je pourrais mettre pour essayer de débloquer des... Vos trucs. Chaque marchandise transportée à bord de ce vaisseau. Pourquoi ça a ferait été livré à des bon trucs bord de sans bateau en... Parce que c'est ça, m'a fait ça. Il manque un peu de population. Chaque marchandise transportée à bord de ce vaisseau a été livrée à bon port sans Dieu. Encombre. C'est possible ça? J'ai boîte. L'île a été colonisée par un autre joueur. Ah, elle s'est installée dans le sud. Maintenant j'ai Zub. J'ai un traité de commerce avec elle, non? Salutations. L'heure est venue de prendre un mari. Et que peut faire Sir Gavin pour... Comment pourrais-je être irrité par votre boule. Admiration? Comment oui. Je peux faire pour que le corsaire me suive plus? Fournisseur de l'empereur! Oh, mais quelle splendide idée vous avez! Laissez-moi réfléchir. Fournisseur de l'empereur! Oh, mais quelle splendide idée! Je ne crois pas que ce soit une... Fournisseur de l'empereur! Oh, le navire corsaire, il va me saouler! Ah, t'es flatté par mes compliments. J'ai le choix. Bah oui, tu peux résister. Mais tu as succombé à mon charme, c'est tout. Tu gagnes combien, dis-moi? J'admire je vais votre pleurer. Caractère conciliant. Aurore vous endort avec ses flatteries. Bah 900, je te l'ai déjà dit en fait. Plus 900? Oui. Non mais... avec les taxes ou sans les taxes? A été aperçu dans votre colonie. Pris la main dans le sac. Dommage. Alors, ton gars, il m'a fait... Oh, ma barbe commence à pousser. Bah alors, je deviens vraiment un... Tu crois qu'il y a une tempête de sable sur mon île? Oh yes. C'est pas juste, c'est la première fois que ça nous arrive ça sur moi. Bon, ça aurait pu tomber sur toi, hein, mais... Pêchez-vous.
Y'a aussi une île à volcan dans cette map. Mais t'as combien d'habitants en fait? Combien j'ai d'habitants? Pas mal. Non mais si tu me dis pas mal, je peux pas t'aider. J'en ai 1300. C'est pas mal, pourquoi tu gagnes pas de sous? Bah je sais pas, toi t'as plus? Bah ouais, mais pas de beaucoup donc Ah d'accord. Enfin t'as plus quand même. Ouais mais bon, c'est simple d'avoir plus que toi. Pourquoi tu ricanes? D'ici quelques temps, je pourrais acheter le champ qu'il y a derrière ma maison, de moi. Au lieu de louer. Non. Oui, ils sont sérieux les gens, il va falloir Ainsi t'as cessé de produire. Il va falloir Oh le thug. On va faire ça. Il va falloir monter ma prod de plein de trucs. Wow. Ouais, moi aussi je dis ouais, mais en pensée. Ah bah oui, je fais comme ça, d'accord, ça marche aussi. Je vais planter les champs. Il y a deux corsaires qui sont les uns côté des autres qui font. Ah non, il n'y a pas du tout corsaire de cette île, donc c'est pas mal. N'hésitez pas à venir visiter. Super cool. Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit. Alors. Qu'est-ce que ça fait? Vous ne comptez pas m'abandonner maintenant? Ça fait quoi les tempêtes de sable? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a encore un espoir pour notre. Oui, il y a un espoir. Regarde. Ouais, juste une tempête des sables ferrages, je sais pas du tout ce que ça fait. Ça réduit mes taxes ou. C'est pas mal les tempêtes de sable. Je vais avoir du mal à les satisfaire en tapis à ce stade là. Non, il va falloir que le bâtiment. Ah bah, manque la route. M'étonne. Ah bah oui, bah si, mais il manque la route, c'est normal qu'ils aient soif. Attends, ils ont soif? Besoin de cidre. Oui, d'accord, c'est pas du tout soif. Bah On veut boire, t'as pas soif. Hein, votre réputation. Ah oui, c'est vrai qu'il doit avoir de l'eau. Cidre, toi. je n'en sais rien, moi, il mange que du poisson et du cidre. Pourquoi mon lait n'est pas récolté? Parce que. J'ai besoin de votre aide dans cette affaire. À quelque chose. À la meuf. Oula, mais ils sont super lents ces naufragés à l'autre. Ouais, je sais pas si ça vaut la peine. Oh putain. Il demandait quoi lui? Ah mince. D'accord. Je vais perdre un bateau dès le début du jeu. C'est pas possible. Pourquoi ça tombe toujours sur moi de perdre des bateaux? Presque. J'ai perdu un bateau. Non. Bah si, il y a deux connards qui sont venus vers moi et qui m'ont. T'as perdu quel bateau? Mon deuxième meilleur. Mais j'ai plus qu'un bateau, comment tu veux que je fasse? Je peux rien faire avec un bateau. Bah tu le mets sur la route des épices et si mais tu le perds, au pire tu peux le racheter celui-là, donc c'est pas grave. Et comment je fais pour ramener des outils et des épices avec un seul bateau? Bonne question. Mes prières ont été entendues. Que Dieu vous bénisse pour non, votre. Non, j'ai la flemme de continuer cette partie, j'ai tout perdu. Lorsque nous nous montrerons dignes de lui. Je peux plus aller chercher des pistes sans me faire taper. Et j'ai plus de navires. Et le temps que je fasse des navires, ça va pas être tout de suite. C'est ça d'avoir les corsaires en. Hard. Fais des non, tours de défense. Bah, je quitte, hein. J'ai aucune chance que je gagne. Tu veux que je fasse quoi? Je suis closé.
Je peux rien faire. Comment ça? Bah tu vas acheter des épices à Lord Newtonbourg. N'oubliez pas des épices, que ce serait également dans l'intérêt de l'empereur. Ouais, ça vaut quand même la peine. De vous revoir ici. Mais non, mais moi je peux pas, j'ai pas du tout assez de sous et de trucs. En fait, le problème c'est que je peux pas m'acheter de bateau. Ça marche pas. Et j'ai perdu mon deuxième seul bateau qui me permettait de faire mon trajet épices. T'as combien d'honneur? J'ai plus d'épices. J'ai 200, pas d'honneur. Bah, 200 d'honneur, t'achètes deux petits navires de guerre. Alors, et t'en as un qui fait la route des épices et l'autre qui chasse les pirates. J'ai dit 200. Ah mince, c'est 400. Bah tu fais des dons. Mais non, t'as pas perdu. Je pense que t'as peut-être perdu ton avance, mais c'est tout. Je vais payer un tribut, c'est ça? Ouais, à Lord Newtonbourg, ou alors au sultan, ou alors aux autres. Si jamais t'as plus de sous que moi, t'auras moyen de rattraper ton honneur sans souci, hein. Mais il me paye 80 pour 12 000! C'est un radin! Ouais, il paye pas. Il paye pas bien. Je vais avoir 300 si je fais la mission. 300, c'est nul! C'est pas beaucoup, hein. Quoi, 300? Je pourrais aussi ramener de la pierre à un de mes paysans pour gagner 300 sous ou 300 d'honneur? Quoi? 300 sous ou 300 d'honneur? Quoi ça, 300 sous ou 300 d'honneur? 300 d'honneur, tu vas avoir si tu fais la mission? Ouais. Bah, c'est énorme! Non, 300 total, hein! Ah, 300 au total. Ouais, c'est long, je sais. Bah, gagne des sous. J'ai plus beaucoup. Vous avez aperçu. Est-ce qu'il y a encore un espoir pour notre cause? Est-ce que vous soutenez vraiment ma cause? Qu'Allah vous bénisse pour votre aide. Et c'est un problème. J'étais déjà en manque d'outils avec un bateau qui faisait l'aller-retour outil tout. Mais tu vas faire. Si t'arrives au stade où tu vas pouvoir produire tes propres outils. Il me faut quoi pour produire mes propres outils? Des outils de base. Ouais, bah t'en achètes un gros lot et c'est bon. Puis faut se placer à un endroit où il y a du métal. Bah t'en as sur ton île principale, non? Ouais, peut-être. Ouais, il est pas censé faire la route, lui? Ah mince, j'ai pas vu le banc. Ouais, sur toute l'île, il y a un truc. Ah ouais. Hop, hop. Oh, bah, c'est suffisant, un truc. Mais t'as déjà de quoi faire la fonderie de fer? Non, je n'ai pas tout. Non, dit. Pas encore. Mais oui, mais tu l'as déjà débloqué avec les citoyens. Bien sûr. Bah, alors te plains pas, t'as de l'avance sur moi. Quand il me faut 10 000 poissonniers, on va peut-être le mettre autre part. Hein, quoi? Puisse Allah. T'es sérieux? Votre bonté à l'égard de mon peuple. De quoi? T'es allé sauver les naufragés. Bah oui. Mais tu crois que mon honneur il marche comment? Bah toujours judicieux d'investir dans des navires. Moi aussi je veux de l'honneur. Mais moi je suis grave coincé. Et moi je suis grave en retard. Faudrait que j'obtienne celui-là. T'as deux bateaux. Bah et alors? Tu peux faire un bateau trajet épice et un bateau outil. Moi j'ai pas de bateau outil. Ou pas de bateau trajet épice. En plus, là les deux connards qui m'ont tué mon bateau, et ben ils sont tout près de chez moi. Donc si je fais mon trajet épice, il y a la moitié de chance qu'ils arrivent. Salam alaikum. Et bah ouais. Allez les paysans, il va être temps d'évoluer. En plus tu m'as pas prévenu, hein. Tu m'as juste dit démerde-toi. De quoi? T'as laissé faire la mission. Bah bien sûr que si, mais depuis toujours on a les missions ensemble. J'avais non, pas de prévenir. Tiens, Heureux, regarde, il y a une mission. Non, je vais essayer d'être plus rapide que toi. Tu peux me dire que tu l'as fait et que je ne peux pas la faire. Parce que là, j'ai perdu énormément de temps à faire l'aller-retour pour y aller.
Mais je rigole pas, hein. Oui, je comprends, mais... Moi, ça me coince, là, je peux plus rien faire, mais je gagne beaucoup moins de sous. Parce que tous mes citoyens sont beaucoup moins contents, parce qu'ils ont pas leurs épices. Et en plus, tu me mets des bâtons. Avez-vous rempli vos obligations et accompli la... Merci. Vous avez rendu... Si je peux vous aider de quelque manière que ce soit... Enfin, vous faites preuve d'initiative. Vous êtes très... J'achète régulièrement des marchandises à l'Empire. Vous êtes très attentionné. Ah, merci. Tu savais que j'étais très attentionné? Bah, la première fois, préviens, moi, je préfère que tu préviennes et que tu me dises je te pique ton truc. Je te pique ton truc. On part du principe que les missions sont pour moi par défaut. Ça m'a l'air d'être un bon plan. Bon, ils veulent bien évoluer, eux. Le cidre, c'est bon. La foi, plus ou moins. C'est-à-dire qu'avec deux chapelles, je couvre pas tout. Il ne faut pas. Ouais, il me faut du pain, je sais, pour vous. Ça viendra. Pourquoi est-ce qu'on entendait de poisson? Alors, pas mal de jeux, la ressource de base, c'était le pain. Chez nous, c'est le poisson. Je serais heureux de vous aider. On va arrêter d'en faire. J'ai trop de dates ici. Ma flotte apporte inlassablement jusqu'ici des marchandises en provenance de ma terre natale. Et pas assez de lait. Ma flotte apporte inlassablement jusqu'ici des marchandises en provenance de ma terre natale. Je sais pas à quel stade on peut débloquer l'or. Même si ça m'intéresse. Ramène-les-moi vite. Sac. Oh, c'est bon ça. Une transaction honnête est toujours la bienvenue. Devine quoi, pour le métal, faut de la pierre. Bah t'as fait une carrière de pierre déjà... Non. Allez, je peux pas mettre une là. Pourquoi je peux pas mettre ça? Ma femme dit que vous mériteriez d'être canonisé. Ou au moins béatifié. Non, j'ai eu de la chance. Elle est bien placée. Ah, ils ont enfin la nourriture qu'il leur faut. Ah. Parce qu'ils te moquaient de la nourriture, toi? Hein? Ah, du poisson. Moi, ouais, pareil. Là, j'ai fait trop de citoyens, en fait. Ils demandaient énormément. Ouais, c'est... Maintenant, on va essayer de les faire évoluer plutôt. Et j'ai plus assez d'outils pour créer un truc à poisson. J'ai pas regardé la taille des villes des joueurs, mais. C'est relativement grand. En comparatif, moi j'ai ça. Ouais, je pense qu'elle a une ville légèrement plus petite que la mienne quand même. De qui? La rose. Là, j'ai juste croisé, moi, la rose. J'aurais pu faire une route en pierre. 100%. Ce n'est pas bien difficile comme mission. Je fais la quête. J'en ai rien à foutre que tu me laisses en main. Pour être sincère. Hein. Je pourrais me payer 100 navires comme celui-ci. Il a un grand navire de commerce, le vert, et il se fait poursuivre par des pirates. T'as un bateau qui passe à proximité de pirates, hein. C'est mon seul bateau. Ouais, bah... Il va rentrer bien, gentiment rentrer à la maison, mon bateau. Au pire, celui-là, tu peux le racheter.
Mes navires m'apportent souvent des nouvelles de Sa Majesté l'Empereur. Non, il a peut-être des ressources qui t'intéressent. Là. Et... Ah, c'est là que je me rends compte qu'il manque quelques outils. On va faire évoluer quelques citoyens. Et les paysans restent prêts à évoluer. Ah, on est au max. Prenons un peu et allons chez l'autre. J'ai 3 tonnes d'endroits à poissons quand même. Je vais pas plaindre, c'est pas si mal. Ah, il faut se retrouver chez moi. Ce navire m'a coûté. Oh, c'est bon ça, je savais pas qu'on pouvait monter si vite si tôt. Je ne refuse. J'espère que vous trouvez. Je serai porte de mes entrepôts portuaires, vous sont toujours ouvertes. Je serai... Vous avez fait une bonne affaire. Je serai ravi de. Terre en vue. Vous avez fait une bonne affaire cette terre fois. Terre en vue. Je serai heureux de vous aider. Quoi? Navire de commerce, ça va le faire. Je viens de me piquer mes outils et en plus, j'ai besoin d'une quantité d'outils au point que je ne peux même pas construire tout ce qu'il me faut pour les outils. Moi non plus, je peux pas construire ce qu'il me faut pour les outils pour l'instant. Hein. Vous êtes il y a 18 outils chez les Vénitiens. Je ne sais pas où sont les Vénitiens. Ah. Vous qu'est-ce que tu dirais d'une alliance particulier? Oui. Bon. Vous avez ma parole d'honneur de marchand. Faut faire un traité d'alliance, sinon ça marche donne pas. Donne ma parole. Ah oui, c'est discret pour mener à bien cette. Oui, vous avez dit oui. Oui. Mais il manque un joueur encore. Il y a un joueur qu'on n'a pas découvert. Tu vois, ils sont les Vénitiens du coup. À offrir au conseil. Marchandises. Ils sont juste à gauche de mon île. Quel est le bien la rose, elle est quand même pas mal. La rose, elle est pas mal du tout là. Ouais. Bah, t'avais pas découvert son île? Mais non, je suis pas monté par le haut. Bah, t'as découvert l'île de qui alors? Personne. Bah, comment tu savais qu'ils avaient les patriciens? Ça met le message. Ça met le message. Ah. Bon, j'ai zappé, je regarderai pas très très loin. Ok, enfin. Hop. J'ai encore plus d'outils. Donc on va aller chez le Vénitien. Ah, c'est pas drôle, tu réagis même pas. Mais quoi? Attends, je viens de dire que j'allais te piquer tes outils, faut réagir. T'as une fabrique d'outils toi maintenant, t'as plus de problème. Bah non, elle est lente ma fabrique d'outils. Mais je sais que c'était une blague, rassure-toi. Mais t'as une fabrique d'outils, c'est déjà ça, pas de plan. J'ai pas d'outils. Nous donc, n'avons besoin de rien de plus que de nourriture et d'eau pour nos chameaux et nous. Nourriture, eau. Alors l'eau, c'est du lait de chèvre, mais. Sur de nouvelles terres. Ah. Conquête de terre. Ouais. Ah, elle prend une nouvelle terre avec. Du mais je vais finir par croire qu'il est mort, le mec. Non, je l'ai vu dans le menu diplomatie. Ce doit être extrêmement urgent. Sir Galvin, le vert. Tu vois le terrain du vert, toi? Non, il doit être en bas à gauche. Ah, il a une île en bas à gauche, tout à fait. Impossible de savoir combien de population il a, du coup. Un navire de première classe. Je peux utiliser ce navire pour acheter enfin les marchandises dont t'as besoin. T'es suivi par un petit navire de guerre. Je suis rassuré. Fonce. Alors, combien de citoyens j'ai? Les trucs en édition. Je serai là pour moi pour les éditions parce que j'ai peur qu'elle essaie de me les piquer. Non, c'est les paysans que j'en mets en satisfait et les citoyens
On restait là. J'étais à mille lieues de me douter que le résultat parle de lui. Oh. Accepté. Bien, un décordage. En vrai, je pourrais acheter les outils aux Vénitiens. Voile parce que sinon, elle ira plus vite. C'est par pure générosité que. Que me vaut l'honneur de votre visite parmi nous. Elle va à droite. En fait, ton gars, c'est clairement un gosse. Ah, oh, c'est un petit jeune, c'est tout. Il n'y a même pas 18 outils, de quoi tu me parles, toi? Quoi? Bah alors elle les a pris, parce que j'ai pas acheté les outils, hein. Je savais que j'allais avoir. Il y en avait 20, j'y crois pas. Le mec il se met super bien et il fait. Quoi? Il y avait pas que donc, ça qu'il faut. Allez loin, le bouddhiste, là, si ramène-moi. Si vous continuez ainsi, vous gérerez bientôt une métropole. Oh, je vais avoir une métropole, paraît-il. À skip. À skip, comme tu dis. Ah, bien sûr que c'est, on dit paraît-il. Elle me plaît, style. À skip, elle est bien. Voilà. Ah, moins que. Ici, j'ai du chanvre. Que je pourrais mettre des bateaux là-bas. On va faire ça, je pense. Alors, mes trucs à outils. Hop, hop. Une île a été colonisée par un autre joueur. Quelle île? Mais je m'en fous que tes amis soient chargés, tu te grouilles. D'accord, c'est pas mon île. Vous me cherchiez? Ah, mais ils se sont installés sur la même île, les deux IA. Il la trouve chouette. Ouais, je vois un peu de vert en bas là. Ah oui, c'est vrai. Mais le vert, il a que des nomades ou quoi? Non, il doit avoir les autres aussi, mais on les voit pas, c'est tout. Mais il s'est posé où? Bonne question. À moins qu'il soit à gauche là, à peu près en haut à gauche, mais pas vraiment. Peut-être entre l'île rose et à droite de l'île rose, je sais pas. Ah, je t'entends encore grésiller, c'était bien pendant longtemps. J'espère que c'est pas mon casque. Bon, ouais, si c'est pas mon pas casque, grésiller, c'est cool hein, pour vous, alors... Par contre, je suis tellement bon en sous, je me dis, mais comment ça se fait que d'habitude, je sois pas si bon en sous? Mais t'es à combien, là? Je gagne pas mal, comment dire. Non, ça, je te dis, moi, je sais, on se dit. Je gagne 2118. Une île. A été colonisé par ok, d'accord. Pas en brut, hein, sans les taxes. J'ai dit temporairement. Et toi? Impressionnant. Votre fonderie de fer produit suffisamment de marchandises ouais. Pour. 2300. Ah, il m'a dit. Dans les chaînes de production, on constate de plusieurs éléments. Le rapport de productivité des différents sites n'est pas forcément de 1-1. Par exemple, votre fonderie de fer n'opère au maximum de son efficacité que lorsque. Elle approvisionne deux ateliers d'outilleurs. A l'inverse, les sites de traitement n'atteignent souvent les productivités de 100% que lorsqu'ils sont approvisionnés par plusieurs industries auxiliaires. C'est-à-dire que je savais que les vêtements, il leur faut trois de trucs de chanvre. C'est un peu abusé. Alors je savais pas qu'on pouvait faire deux ateliers d'outilleurs. Il est un peu loin là-bas. On va plutôt le caser. Donc, tu savais pas qu'on pouvait faire deux outilleurs? Hop, on va mettre une route là. Je savais pas qu'on pouvait faire deux ateliers d'outilleurs pour un. Une fonderie. Tu savais toi? Le charbonnier, je sais que un de charbonnier et un de minerai de fer ça permet d'alimenter une fonderie. À plein régime. Et pas beaucoup plus, je pense. Hop, aider ça. Ah, j'ai trop de bois. Donc on va faire l'inverse. Il est pas censé avoir une route, lui? Si, il a une route. Allez, hop. Vogue, mon petit Vogue. Tu parles à ton gosse? À mon bateau. Mais il est dirigé par qui, ton bateau? Par... Un...
Un nomade, probablement. Devrais-je vous révéler le secret de ma réussite? Non. Devrais-je vous révéler le secret de ma réussite? Il m'a dit la même chose, clairement. Parce qu'il constate que sa progression est supérieure à la nôtre. Pareil. Alors que moi, je l'ai pas vu. Hein. Je... Ah, t'as vu son île du sud? Ouais. Bah, ça lui suffit pour savoir qu'il est plus fort que toi. Moi, je suis pas très bien placé. J'ai plein d'espace là qui est perdu. Espace de quoi? Ah, on peut, parfait. Hop. Par contre, ça me saoule. Je suis pas à max de ma productivité parce que mes paysans ils sont toujours en ménageant. Parce que sinon, j'ai plein d'espace qui est pas habité. Par exemple, une transaction honnête est toujours la bienvenue. Qui sont pas... Un matériel de construction est suffisant, mince. Enfin des outils en production. Ah, moi aussi j'ai des outils. Mes navires sont réputés dans le monde connu. Voyez par vous-même. Oh, on peut pas taper ceux qui sont là. Ah, c'est pas mal ça. Est-ce que c'est véridique? Ah ouais, j'ai mes deux ateliers d'outilleurs qui tournent. Bon, dans ça. Deux ateliers d'outilleurs. Ah, deux. J'espère que tu te tiens prêt, Erreur. Ouais, parce que il a dit vous pouvez construire des ateliers d'outilleurs. Bien. Une transaction équitable. Vous pouvez faire deux ateliers d'outilleurs pour une seule mine de fer et une seule truc de charbon. Donc j'ai fait ok, c'est volontiers. Pour l'ennemi progresse sur votre territoire. J'espère qu'il est abîmé. Ok, on va aller par là plutôt. Oh, ils sont tellement. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu dis ils sont tellement. Si je peux j'affronte des corsaires. De quelque manière que ce soit. Bord capitaine du port. Ah, j'ai pas les ressources. Tour portuaire, j'ai pas les ressources non plus. Je naviguerai jusqu'au bout du monde. Il y a un peu plus de sous parce que là j'ai plus de vie. Ah, ils ont changé de cible. Ah, trop bon. Et maintenant, on fait augmenter les paysans. Tu crois, il y a 5 bateaux de guerre au même endroit. Et que le bois, bah, c'est pas du tout la dèche. Ça, c'est cool. Tiens-toi bien, Erreur. Les premiers patriciens se sont établis dans voilà. D'accord. T'as mis une taverne, quoi. Ouais. Mais non, mais tu devrais être content pour moi. Ouais, d'accord. T'as mis une taverne, quoi. Bah oui, bah toi, okay. Tu t'as pas mis de taverne, toi. Non, parce que j'ai un peu la flemme. Ah oh, ouais. T'as pas les ressources, ouais. C'est pas une blague. Apparemment, vous veillez. J'ai 6000 d'or. Apparemment, vous veillez bien sur votre population. Eh bien, oh, si là, j'ai plus fait une 400, bonne affaire. Plus 400. Parce que, en brut. Ah, parce ils m'ont tous félicité. Parce que j'ai tous mes paysans qui sont prêts à évoluer et du coup ça me coûte une fortune. Pourquoi tu les laisses en prêt à évoluer alors? Parce qu'il faut qu'ils évoluent. J'ai pas compris. Bah je les fais évoluer que... Ah, tu les fais évoluer. J'ai un truc à vêtements, on est d'accord? Une juste transaction. Ah, il est là, ouais. Cabane de tisserand. Mais du coup, ça veut dire que mes citoyens doivent être en emménageant et en plus, mes paysans doivent être en emménageant. On va la décaler. Et tout ça, ça coûte très cher. On va la mettre là par exemple. Je pourrais avoir une seule route qui fait ça. J'ai des endroits où j'ai une quantité de maisons, c'est... Oh, sûrement pas autant que moi. Oui, non, pas autant que toi, bien sûr. Oh, les patriciens en ménage. Je me rappelle que là, en ce moment, ma colonie est en marque. Je sais pas si c'est que je suis au courant plus longtemps. Laissez-moi vous aider.
de vos navires est attaqué par les corsaires. Ah, ils sont tellement... Allons, allons, allons. Toi, tu dis quoi? Allons, allons. Non, qui ça? L'avancement de votre colonie est dégueulasse. Non, ça va être dit quoi? Mais qui ça? Bah, le gars là, il te dit si ta colonie allait bien ou. Mais dis allons, allons, mais j'ai pas à regarder. Tu fais gagner l'honneur, donc je pense que tu aurais regardé, donc tu n'as pas dû l'avoir. Tu devrais bien te l'avoir. Ah, il y en a qui a pu me touper. Ah, je vais perdre mon petit bateau aussi. Je le sens. J'espère. 2000%. Ah zut, c'est triste. Je ressens de la compatie pour toi. Compassion. Oh, corsaires, ils sont tellement aussi. Ma flotte figure régulièrement sur les rapports de notre juste transaction. Ça compatissant. Bon, bah maintenant que j'ai plein d'outils, ça va. Ah, c'est bon, je commence à remonter un peu en argent. Bon. J'ai toujours pas mes épices, mais je devrais bientôt les avoir. Alors, taverne, où est-ce qu'on pose ça? C'est pas du tout ça la taverne, c'est ça. Oh, il me manque un peu de bois. On va attendre. Ça coûte cher en vrai la taverne. J'ai ce qu'il faut, mais ça coûte cher. Non, c'est pas dans la zone de construction. Le pire, c'est que quand tu l'as construit, ça a quand même un bon grand chandrier. Certaines ouais. De ces maisons semblent plutôt délabrées. Vous devriez les réparer. Atelier de charpentier, pour quelle maison? Ouais, celle-là par exemple. Bah, c'est parfait. C'est un petit rayon par contre les ateliers de charpentier. Ah mais c'est nul les ateliers de charpentier, t'as pas oublié. Comment t'as fait pour oublier ça? C'est tout pourri. Non mais faut réparer les maisons, t'es fou. T'as des maisons cassées? Ouais j'ai des maisons cassées. Pourquoi? Faut absolument que votre charpentier veille au bon entretien des bâtiments. Merci pour cette réponse. Parfait. Tu dis? C'était quoi la question? Je te déteste. Je te déteste, je crois que c'est ça. Quoi? C'est hors sujet. Pourquoi les bateaux corsaires ils campent devant chez moi? Oh. Parce qu'ils ont la stratégie et la logique. C'est abusé! Ouais, dépêche-toi. J'ai quelques bateaux d'outils qui se... quelques outils qui se créent, mais c'est pas non plus. Alors, on va remettre des routes. Ah, j'ai une taverne là, je pourrais leur dire. Améliorez-vous. Ah, ouais, 37 tonnes de épices. Ah, ouais, du coup, je pourrais clairement leur dire améliorer. Enfin, je vais dire à un gars de s'améliorer. Fabuleux. Une honorable. Je vais me mettre à perdre des sous, je pense. Si mes épices arrivent plus. Moi je perds jamais de sous, même quand je les mets tous au minimum. Enfin, je vais gagner moins de sous plutôt. Parce que perdre des sous ce serait dur, mais. On peut allez, avoir une confiance aveugle là, si t'es... en l'équipage. Ah, parce qu'il est très évolué, mais il manque encore un tout petit peu d'épices pour être à full. Hein, quoi? Du poisson? Ah, zut, c'est la déche du poisson. Là, il faudrait une armada de tours pour pouvoir résister aux joueurs. Oh. Aux pirates. Elena qui me dit qu'elle est pas possible que je peux pas rivaliser avec elle. Ah bah ouais, tu peux pas rivaliser clairement. Ça se voit. Ah, Elena, c'est la fin de l'épisode. À bientôt dans le suivant.